Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Bonjour Samy. Bonjour Hakim. Bonjour Soraya. Bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler avec vous de technologie spatiale, un domaine qui connaît une tendance importante dans les quatre coins du monde ces derniers jours, surtout avec cette prouesse réalisée par une start-up à Seattle qui a réussi à adapter le Bluetooth, ou le Bluetooth, ça dépend, on l'appelle. La prononciation, à 600 km. À 600 km, couvrir donc 600 km. Nous avons l'habitude de parler ici même du potentiel que recèle la technologie de l'IoT, l'Internet des objets, qui consiste à interconnecter plusieurs appareils pour effectuer différentes tâches, pouvant alors être contrôlées à distance pour le volet monitoring, veille ou pour intervenir à temps. C'est des technologies qui se basent sur la connectivité, sur la rapidité, sur un dispositif de plusieurs appareils connectés simultanément. Un smartphone et un ordinateur suffit alors pour avoir un visuel qui prend en compte l'ensemble des facteurs, indicateurs, chiffres, aux situations issues directement du terrain. Des entrepreneurs chez nous, start-upers et autres, ont déjà exploré les possibilités liées aux objets interconnectés. Certains en ont fait leurs innovations destinées à des secteurs bien précis, comme l'agriculture, l'industrie ou encore la domotique, soit avoir le contrôle sur la majorité des appareils électroniques en même temps, simultanément, à l'aide d'une connexion Wi-Fi et dans certains cas, Bluetooth. Des concepts technologiques qui évoluent grâce à la recherche et au développement, grâce également à l'exploration de nouveaux horizons. Une start-up spécialisée dans l'Internet des objets basée aux États-Unis a démontré cela avec une prouesse qui a fait le tour donc des sites spécialisés dans les nouvelles technologies. Quand le Bluetooth parvient à aller au-delà de la distance normale ou connue jusqu'ici, atteignant les 600 km lors des premiers tests effectués. Alors certes, pour se connecter à des écouteurs Bluetooth à 600 km, c'est pas très utile, mais l'innovation cible principalement le domaine de la technologie spatiale, où chaque moyen, chaque technologie pouvant contribuer à développer davantage le domaine est la bienvenue, notamment en termes de connectivité, de transfert rapide des données ou de toute autre action pouvant favoriser la maîtrise et l'exploitation de ce type de technologie spatiale. L'impératif de renforcer la technologie spatiale de l'Algérie est souligné par le président de la République à maintes fois, avec une vision proactive orientée sur 2040 pour doter la des dernières technologies et outils spatiaux à même de développer ses activités en encourageant la coopération avec des partenaires stratégiques du pays. Et pour rappel, une délégation de la NASA a dernièrement rendu visite à l'USTHB, l'objectif étant d'explorer les différentes possibilités liées à la coopération pour encourager le développement des technologies spatiales. Et dire qu'on est encore obligé de descendre 10 étages, traverser le parking, tout ça, parce qu'on ne sait plus si on a verrouillé ou pas sa voiture. Voilà. Bluetooth à 600 km, ça nous est prêt. Voilà, c'est ça. Merci Samy. Merci à vous. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale.